Bonjour, on se trouve à la station Saint-Léger-les-Mélèzes. C'est une des premières stations, pas très loin de Gap. Donc on va tester un petit peu la stabilité de l'Insta360 One. Donc comme ça fait partie des... Bon, on va pas dire que c'est la première fois, mais je fais du ski une fois tous les 10 ans. Donc on va se faire une petite piste verte et on va voir si la stabilisation fonctionne bien. Et désolé si je me casse la gueule, mais voilà. Il faut bien reprendre et apprendre. Déjà, j'avais peur un petit peu de me casser la gueule avec en tenant juste la perche à selfie toute la caméra. Pour le fond, ça va. Les jambes, j'ai une flexion. Ouais, ceux qui n'ont pas vu. Les grandes épaules du ski ne pourront pas comprendre. On va laisser passer les petits. Donc c'est une station qui est assez sympa, on est arrivé hier soir. On pensait qu'il n'y avait pas de neige parce qu'on ne voyait que le versant de l'autre côté. Mais ça va, c'est assez enneigé. La neige, je pense qu'il a dû neiger il y a très très longtemps. On dirait peut-être vraiment de la plus grosse. Bon, c'est pas comme la coupe d'oise, mais en fait on se sent pas comme si c'était de la glace quoi. Bon, ça me rassure parce que je suis pas le seul noob. Les enfants aussi. Bon, les miens sont en train d'apprendre donc à l'école de ski français là-bas. Et franchement, il vaut mieux faire leur donner des cours parce que ils apprennent tout seuls, bah, c'est des dangers sur la piste. Voilà, bon d'ailleurs on va prendre une petite accélération. Et après donc prochaine étape, on va se faire un petit tamis de l'Est en haut.